aujourd'hui, il est né de nouveau, Dieu l'a sauvé. Il sort d'une formation pastorale chez le général Camille Makosso. Il est très drôle. Entendez un applaudissement, s'il vous plaît, pour Herman Amissi de la RDC. Alléluia! Alléluia! Attends, est-ce qu'il y a des belles femmes ce soir? Oui! Je peux avoir un amen sexy? Alléluia. En réalité, vous n'avez même pas besoin de crier pour qu'on sache que vous êtes là. Moi-même ici devant, je suis là, mais je sens une présence excessive des perruques. Et je me dis, en ce moment même, si Dieu décide d'envoyer un vent fort, regarde, croyez-moi, en espace de 2 minutes, on va se retrouver entre frères. On vous l'a dit, je m'appelle Herman Amissi, je suis le pasteur fondateur de la CDJ, Cité des Rejetés. Je viens de la République démocratique du Congo, là-bas je suis le 1,578,000 pasteur. Vous me voyez comme ça, mais grâce à moi, la RDC est devenue le deuxième pays producteur de pasteurs au monde. L'Afrique est le seul continent où tu trouves des églises au même endroit, au même moment. En Europe, par exemple, c'est une église dans chaque quartier. Et quand tu entends le nom, tu sens la paix. Cathédrale Notre-Dame de Paris. Paroisse Saint-François, les grands. C'est-à-dire, tu sens même la grandeur de l'église. Reviens en Afrique. Et reviens en Afrique. Sur une petite avenue comme ça, tu trouves 22 églises. Côte à côte. Si on ne t'explique pas, tu pourrais penser qu'il y a parking des églises. Et rien que par leur nom, tu croirais à un règlement de compte. C'est-à-dire, tu lis ici, Église, Dieu est grand. Juste en face, Église, si ton Dieu est mort, essaye le mien. En Afrique, les églises n'ont pas de nom. Elles ont des phrases, des textes. Puis tu es là et puis tu entends 36e communauté des élus qui ont survécu au tourbillon satanique, réunis aujourd'hui pour combattre le diable. Tu penses que c'est fini, non? À la ligne. Point virgule. On te met en garde. Notez bien, cette parcelle n'est pas à vendre. En Europe, quand tu croises un pasteur, rien que par son nom, tu sens la tranquillité. Pasteur Ivan Castano. Tu sens la tranquillité, là. Et quand il te prêche, tu sens la stabilité européenne. C'est-à-dire, il est là et ça donne ça. Bien-aimé, l'amour du Seigneur doit être notre partage. Aimons-nous les uns et les autres comme le Christ nous a aimés. Amen. En Afrique, les pasteurs n'ont pas de nom. Ils ont des titres, des grades. C'est-à-dire, tu es là et puis tu entends « Général Makosso ». Tu sens la brutalité dans le nom, non? Général, donc l'église devient une armée. Tu es là et puis tu entends « Armée du salut », « Armée de l'éternel », « Co ministère de ceux qui ont vaincu Goliath ». Encore! Tu étais là,
En Afrique, une prédication qui dure des heures. C'est là que tu entends. Amenez-moi un panier ici. Je sens que je vais traumatiser quelqu'un ce soir. Quelqu'un sera traumatisé ce soir. Regarde. C'est à l'église que tu es venu chercher la paix comme ça, non? Mais on te signale déjà qu'on va te traumatiser. Et tu entends. Frère, soeur, non mais là où tu es, viens mettre quelque chose dans ce panier. Surprends mon Dieu. Tente-le. Énerve-le. Et puis il ouvre les yeux, il se rend compte que le panier est toujours vide. C'est là qu'il prend la position ultime. Il regarde et il dit, j'ai dit, regarde ton voisin, vérifie tout ce qu'il a dans ses poches. Prends ça et viens mettre dans ses paniers. S'il te demande, dis-lui que c'est pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen.